compa-events.com. Monsieur, bonne arrivée. Vous êtes sur Compa Events avec JOJO. C'est toujours la même ambiance pour Jakout Number One, mais c'est pratiquement une sorte de d'ambiance spéciale. L'homme dit ambiance spéciale, c'est-à-dire que nous jouons Steve K qui retrouvait et justement groupe ça. Mais j'aime te dire tout à l'heure pour les gens qui t'a suivi sur Facebook Live, yo, mais malheureusement, les gens qui peuvent regarder Live, yo, pour justement regarder Ross Lenné, qui c'est justement Tino Gaté Roro. Moi-même, j'ai adoré monsieur ça. Et même je nous-mêmes qui regardons maintenant, nous adorons monsieur ça pour le travail que le fait dans la musique haïtienne. Roro, son plaisir pour ce Compa Events. Non pas c'est Jojo, J-O-J-O. Nous pouvons parler un peu de Jakout Number One, mais nous pouvons parler un peu de vous-même parce que vous êtes un monument en quelque sorte pour la musique haïtienne. Comment sens-tu à soi? Mon cher, je salue tout super bon chez vous, je salue tout le monde qui est net là. Je dis merci. Dès que vous suivez l'ambiance en live et je dis Compa Events. Nous n'avons pas de mots pour nous dire Compa Events. Merci encore. Pour qu'aucune chaîne au reportage que l'a fait. Encore une fois, merci. Le fait que, avant même que mourir, honorer moi, ça c'est tout honneur que je recevoir et tout compliment ça. Merci, merci. J'aime sentir ma soeur, me sentir vraiment reconforté. Le fait que moi, je fais déplacement, je viens garder. Tout Steve qui tourne la caille, je pense que tout le monde est bien amusé ce soir. Et les gens qui pas fait déplacement, ils va venir là pour venir faire ouais comment ça a été passé. Et plus tard, on attend tout le monde qui pas déplacer dans mon café et puis on a plein FA à dimanche. Me sentis vraiment bien, me sentis vraiment ému. Me sentis que public moi fanatique moi retrouver Jazz t'attendre avec trois chanteurs, Robin bien campé, mauvais net. Bao. On dit trois chanteurs, j'ai l'impression que moi non ambiance de orchestre. Avec trois chanteurs, lorsque nous connaissons comment tempérament musicien yo y est de nos jours, lorsque nous connaissons comment chanteur yo y est par rapport à l'autre chanteur pareil yo, nous avons trois chanteurs, et pas même trois chanteurs, nous sommes capables de dire quatre chanteurs puisque Shaba fait partie de yon élément qui contribue dans la musique qui a chanté dans Jakout. Comment sentir comme yon aîné de Jakout? Bon, je pense que le travail que nous faisons, il parle peut-être inciter que nous soyons de l'autre orchestre fait, parce que un grand chanteur, je pense que son risque lié. Et ceci, Tropicana, Ritz lié, Tropicana toujours gagné. Barème ça devant Jazzy, 3-4 chanteurs. C'est ça que font orchestre. Ce n'est pas l'argent seulement. Je pense que nous avons un chanteur là pour toute couche, nous avons un chanteur là pour toute qualité bagaille. Et c'est ça que nous faisons intégration Steve qui pas dérangé nous. Et Polo a fait travailler comme ça doit être. Et je pense que à ce là, nous faisons preuve de ça, il est vraiment risqué à ce qu'un groupe a marché, a fait tourner avec un grand chanteur, il a fatigué. Ça me dit, je ne pas dit que vous n'avez pas renforcé. Non. Mais je pense que autant de fois qu'on a des remplaçants qui permettent que Diazo solide. N'importe quel gars malade, mais je ne crois pas que Jakout a un problème pour le délivrer une soirée de par trois chanteurs que le là. Je pense que nous avons un monde valable, assez valable pour que nous continuions à faire route là. Et ça fait plaisir à ce que le public l'a accueilli et retrouver ça entre Steve avec nous, Jakout Number One. Formule là qu'on est assez PSP, c'est Polo, c'est Steve. Et puis Bouchon voilà. Trois chanteurs devant Jazza et plus ou même avec Shaba qui toujours a apporté un peu de contribution dans sa que les animations et puis chansons. Est-ce que nous sommes capables de joindre Jakout ça nous présenter à Swear dans la cour West Palm Beach dans 5 ans, dans 10 ans et même dans 20 ans?
Bon, on espère parce que vie pas nous parlant, mais nous vie nous c'est le même bon Dieu. Li. Depuis bon Dieu prête nos vies, je pense que même le ou pas, même équipe ça après 20 ans, après 5 ans, après 10 ans, mais on va jouer nous relève qui fait en ce sens pour que Jazz a toujours été un jazz. Même Jacques Topicana a fait route là, il y a un paquet de temps, même Jacques Septentrional. Je pense que nous avons besoin de bagages sur la musique haïtienne. C'est le chemin ça n'a pas essayé de tracer et nous souhaiter le dos pour ni New Look, ni classe, ni tout jazz. Que vous faites relève pour que Jazz a toujours envie parce que il y a une génération de génération qui a venu, qui a toujours aimé l'orchestre. C'est ça pour nous faire. Et c'est rentrer, moun, sortir, moun, moun a fait l'autre bagaille dans le jazz. Mais le jazz a prêté ce que ça lié. Parce que il y a deux bagailles, l'offre une fait, il n'y a pas appartenu encore. C'est avec fanatique qu'il a appartenu. Qui t'aime présenter un ami, confrère, qui travaille justement dans la station de radio et qui s'est rendez-vous, qui s'est dans une émission qui est très populaire. Non, aux États-Unis. Moi dis aux États-Unis parce que il est un peu partout à travers le monde puisque lorsqu'on est sur les ondes et que ce soit sur TuneIn ou encore des web radio, on va dire comme ça pour nous capter de nous, c'est un peu populaire. C'est Venus, c'est un ami, c'est un confrère. Me présente au monsieur et Venus, je présente au Woro. Ou que t'en connais Woro et c'est sûr que on question pour Woro ou c'est sur la radio qui tape justement podcast Balsa. Définitivement, une salutation spéciale à tous les téléspectateurs de Combat Events. Et c'est un plaisir, monsieur Marvenou. Après une longue soirée, c'est toujours ambiance. Vous pouvez imaginer, un musicien, juste après une soirée, il est d'accord pour une interview. Pour qui ça? C'est parce que livrer bah un message. Message là, c'est pour les jeunes. Message là, c'est pour les consommateurs du combat. Ou on grand bagaille bois joie soir là. Ou sorti de yon l'école. L'école là, c'est l'école de 1980. Lorsqu'il fallait identifier votre combat, vous devez dire que mes combats mamba et vous finir avec combat mamba. L'indi finir avec là, c'est pas que ou craser non. Ou de, presque dernier batteur. Simba voulait abuser d'être moins. Transition. Simba voulait abuser d'être moins. Presque dernier batteur, comparément bas. Ma palais du feu, coupé cloré, qui était gravé dans mes mémoires. Nous, cap toujours immortel. Oh, félicitations. Nous, Green Barrier à ce là. Toi, chanteur, est-ce qu'on pensait avec ego nous qu'à gérer Barrier ça? Je pense que nous avons géré encore. La question, c'est pourquoi? C'est son manger que nous avons préparé pour les fanatiques. Autant de fois qu'on met des ingrédients qui ont fait le bon, je pense que la fête, bonheur, les gens qui ont consommé le lieu. Je ne crois pas que nous avons attitude sur le podium, nous avons dansé ensemble. Je ne crois pas que nous faisons compte de bagages déjà dans la musique haïtienne. Et je pense que ce qu'on a fait là, son exemple lié, c'est juste un relève que nous avons fait. Relève en tout, dans tout sens. Moi-même, je fais un relève au leur. Quand l'autre batteur qui boule Vinchita là, un jeune batteur, Pouchon qui boule pas là, ton le, et puis il vient à manager jazzy. Je pense que ce travail qu'a fait là, son exemple que lié, et tout ce qu'est supposé faire lui, c'est mettre mon intégrer mon pour que business ça toujours en vie, parce que nous pas venir faire tout le temps nous là, nous pas venir faire vie nous là, faut que nous faire relève pour que Barak a toujours été intact et puis il a continué. Félicitations, Oro. Ou bien défendre cause là. Merci. Wow, et prochaine initiative pour Jakout number one, c'est qui ça? Prochaine étape, tout c'est ce soir là, Moka Café, et puis dimanche là, FIU, et puis next step, nous c'est l'album que nous allons travailler. Ah ouais, ah ouais. Voilà, ah ouais. C'est priorité nous là, c'est l'album Jakout là. Qui l'a cuisine déjà. Vous avez une date pour l'album? Non, il est trop modèle. Attends. Nous baillons. Va pour moi un live là. Va pour moi un live qui désordonné, qui est un peu partout. Je vais pas prendre tout chanteur, musicien et autres. Nous baillons peut-être nos défis. On a essayé de faire au maximum pour que d'ici, nous ne finissons pas clair. D'ici le mois de mai, pour que nous puissions livrer pour celui-là. C'est quelque chose qui était. Son va qui était prêt. Voilà, ça veut dire. Exactement. Pouchon. Approximativement, idée que m'baye, mais okay. Il va où qu'on est que okay. Tout peut arriver et mais n'espérer que parce que nous avons grand besoin d'album non okay. Et faut que nous représenter Steve encore l'autre facette. Je pense que nous avons fait le maximum pour que nous finissions l'album non mais pas de problème bon bagaille.